work together and find Boo's door. Vault right through there. What's this black junk? Gorsh, it looks like some kind of trail. Together and find Boo's door. Everybody look for Boo's door. Oh. Randall. Didn't you learn your lesson with that pile of junk fiasco? Oh, I learned a lot. Oh. Wait, Mike. Something's different. Oh, please. It's just more junk. An unversed! Mike, time to reach down and let the scary out. Oh, I'm ready, Sully. I'm ready! Finally. This is exactly what I need to take over the company. But first, I am getting rid of you. Come on, team. Let's show 'em.
Why? Huh? How are you going, I'm kidding? All right, and in you go. There's no place for you here anymore, Randall. Now we're in the business of making children laugh. You think it's funny? Hilarious! The more that you whine, the funnier it gets. Enjoy your extended vacation. You clowns are gonna be sorry when I find my way back and I finally take over this place. Mom, our gator's in the house again. Are you kidding? Oh, this mommy's in for it. Come here, you. So long, smell you later. And now we just need to do one last thing. Hang on. I have a way to lock him out. Okay, Boo. Time to go home. You must be tuckered out. But we'll play together real soon. What now? Who are you? Gotta say, that strange facade had me fooled at first, brother. Oh, wait a sec. Oh yeah, you were at the cathedral. And hey, who are you to call anyone strange? Say, do we know this guy? We haven't ever met in the flesh. I am Vanitas. This is the part where you spout some mumbo-jumbo and disappear, right? This whole world was powered by Scream. They converted the screams of human children into energy. And this very company was what made it all happen.
It's as rich a source of negative emotion as we'll ever find. For the last time, we already stopped doing that! Did you? Then how do you explain all these canisters of surplus scream? This facility was everything I could hope for, and I was lucky enough to find a pawn whose heart was darkened by thoughts of revenge. You mean Randall. All Randall ever cared about was winning, and this guy took advantage of that weakness. My heart is made of just one thing, and the Unversed collected enough screams and sadness from those children to reconstruct it. Yeah, and the whole time they were trashing our company in the process! But even with all this negative emotion, my heart is still incomplete. I need something else. The half of me that sleeps on inside of your heart. Vanitas! Huh? Ventus. What a strange place to slither off to. You insignificant speck. What are you talking about? Oh, you wouldn't remember. When you were little, you formed a special bond with a boy named Ventus who joined with your heart. Is he saying that one of the missing Keyblade wielders is inside Sora's heart? How is that possible? Now, you will return Ventus to me. Donald! Goofy! The king told us about this! Ventus wasn't able to defeat Vanitas! They struck each other down, and then the king said that Ventus's heart never returned to him. Stay out of this. Sora! Join your heart with mine. Need to look. Let me go! Over here, Sully! Close it, quick! Thank you. We owe you. No, we should be thanking you. We never would have managed to get Boo this far if you hadn't come along to help. And finally, we found her door. Boo, I know how excited you were to come play with Mike and Sully. Sorry we dragged you into this. Hey, you are way scarier. Gorsh, I think you're both scary. What? Oh. Okay, Boo. Time to go. Kitty. We'll catch up soon, kid. Mike Wazowski. No, that's Donald, Boo. Mike Wazowski. Better. I'll see you, kid. Boo! So long!
Sorry for all the headaches we caused. Don't mention it. And actually, it was kind of nice having a little adventure for old time's sake. Yeah, the flying and the falling. And hey, let's not do that painting again. But nothing like running for our lives to get the heart pumping. I had a great time. Donald, all you did was complain. I did that. Any chance that we can drop by again? The door's always open. And maybe Boo can join us. Yeah. Bye. For the record, I still get the most laughs. Happy exterminating. Bye. Thank you. We should go to the Realm of Darkness. No way! You can't go there until you get the power of waking. But come on, we have to do something. If we don't act, the organization's gonna win. Sora, do you even know how to get to the Realm of Darkness? Well, Riku and the King do. That won't tell you. Nope. Not until you complete your own mission. Huh? The King? Riku? Is this a bad time? Enzo. So, I have some news about Ansem's code and the replica we need for Roxas's heart. Oh! And? First, the replica. Evan is still missing, but we found some of his research. I'll see what I can learn from it. You've got our thanks. As for Ansem the Wise's data, we've discovered a very interesting passage. I'll read you exactly what he wrote. I have discovered three unique hearts inside of Sora's. One is Roxas. The second has been with Sora for nearly as long. And a third has resided in Sora's heart for even longer. Most of his life, in fact. This is a truly astonishing discovery. While these hearts have now melded with Sora, grown silent and indistinct, Sora retains the memories of all three. The memories have been compartmentalized. Salut Rox, comment ça va? Box, so to speak. Cette fois, c'est moi que tu vas écouter, ça fait bizarre. With its memories, and provided a suitable body within which it may flourish. And I believe any or all three of these people can be made real again. Roxas and two more? Who else? Oh, thanks, Enzo. Certainly. Take care. Three different cats! One of them's Roxas. The other one must be Ventus. He'll get a manipulator and get shot. Well,
It's kinda all we got to go on. Sora, do you know who the third one might be? Uh-uh. Guess who I can't count. Hey, that's not related. Donald! Ah, qu'est-ce que ça cause dans ce jeu, c'est incroyable. Ah, ça ne fait pas fini apparemment. Tell me, will you stay here? I can't shake the feeling that these waters touch another shore I've visited. The Destiny Islands. You've heard of them? Yes, they are quite lovely. A far cry from this wasteland. I'm staying. Someone will come for me. These waters are the in-between of dark and light. It shores the margins of day and night. They brought you and I together. So why not also you and another? Yes. Who's there? Hmm? You. Master, I must have a word with you. Master? So now you mock me. Do you recall those experiments of the heart you bade me cease? Among the test subjects was a girl. She had lost her memory. Just as I had. But you can reconstruct memories you did with Sora. I believe you have seen the girl's memories. What is your question? Where did you put the girl? What girl? Very well. If you won't tell me here. I think you should go. A lost guardian of light? You wait here for the king and his fool. Tu m'étonnes. C'est ce que j'étais en train de penser en plus. Where's your keyblade? Don't need it. I'll go. You are wise. Poor thing. I mustn't leave you with nothing. Là, c'est bon, je peux jouer. Bon, j'aime bien ce genre de scène, j'avoue, j'adore. Mais bon, c'est vrai que je préfère taper du sans cœur quand même. Ouais, c'est reparti. Hey, Dale. What's up? Chip just got a message from Merlin. Chip, I got in. Hey, Chipper. Hi, Sora. Hi, Chip.
Does Merlin need us for something? Yep, I think it's got something to do with some kind of book. Oh no. Stocky Paulini nothing. Oh no! He said tea, but he didn't say where. Do you mean he left before you could find out? He's a tough wizard to pin down. Anyway, message delivered. Bye. No. Where could he be having tea? I don't know. Say. If you were gonna have a cup of tea, wouldn't you want to have it at the best restaurant that you could find? Oh, of course. What else is bistro? Yeah, let's go drop by Twilight Town and we can see if Merlin's there. Allons-y. Je suis allé faire la Reine des Neiges, mais bon, apparemment, ça va être merdant. Alors, bienvenue sur la carte du monde. On va aller direct Cité du Crépuscule. Ouais, après ça colle. Non, mais ce que je fais maintenant avec le popcorn, des fois ça m'arrive, je fais le popcorn sucré et salé, je mélange les deux. C'est super bon. À essayer. Ça a l'air bizarre comme ça, mais c'est super bon. Voilà, la cité du crépuscule. On va aller voir. Qui gueule comme ça. Ah, j'avais reçu une nouvelle épée. Enfin, un Keyblade. Ah. Alors. Voilà, tester. Que j'ai 2 points. J'ai rien, 2 points là. Ah là, je peux mettre 3 points. Allez, vaillance. Dingo. Rien. Ok. Qu'elle ressemble. Ah. Pas mal. Explorer le monde. Ok. Alors, faut que je trouve une merde. Alors, ça. C'est les amateurs. Je t'ai fait peur. J'ai parlé trop fort. Putain, justement, j'ai regardé mes vidéos et je pensais que je parlais trop doucement et on n'entendait rien de ce que je disais. Alors je me suis dit, il faut que je parle plus distinctement. Essayer d'élever la voix. Après je sais que j'ai une voix qui porte assez, mais... Dans les vidéos, on m'entend pas, j'ai trop... Je parle trop dans ma barbe en fait. C'est pas top quoi. Je sais pas où il pourrait être ce Merlin l'enchanteur. Anciennement il était... Je m'en rappelle pas.
Il faut que je m'achète un nouveau casque aussi. Un casque un peu plus adapté. Parce que j'avais un casque PS4, mais c'est pas... Ah ben voilà. Qui cherche trop? Ah, greetings, gentlemen. What brings you all the way out? Ouais, faut que je règle la voix, il faut... faut juste que je sois plus clair, non, quand je parle, en fait. Tu fais des moments, ça va, ça joue. Tu fais des moments, on n'entend rien. Comme tu t'envoies, tu te vois pas et tu t'entends pas, tu sais pas trop. Comme jusque maintenant, j'ai pas de spectateur. C'est compliqué de régler. Là, j'étais sûr. Et voilà. Did something happen? Well, that's what you need to find out, lad. Tu vois, même lui, il a pas envie d'y aller. Hein? Okay, I'll see you in a bit. Take care. Yes, and good luck. Ah non, c'est sûr, j'ai essayé. Déjà, j'avais la musique trop forte, j'ai réussi à baisser ça, essayer de régler ma voix un peu plus forte, mais c'est un peu laborieux, mais je vais pas m'acheter un PC maintenant pour ça, quoi. Je vais attendre un peu encore. Parce que ça va vite, hein. Commencer à investir dans un PC, un casque, on a déjà 2000 et quelques euros, hein. J'ai pas trop les moyens. Il me semblait qu'il y avait une application pour régler un peu ça, mais faut que je la retélécharge. Think, think, think. Think, think, think. Pooh Bear! You okay? Oh, hello there, Sora. You're home. Good to see you. Mais ça va, c'est pas catastrophique. And you too, Piglet. Il y a mieux, c'est sûr. You're not in trouble? But I thought something odd must be going on. Let me see. I don't remember anything oddish, but perhaps I've forgotten. Think, think, think. Oh, think, we've think, got trouble, think. All right. Oh, bother. Would that be the rabbit sort of trouble? Sorry, please continue. Sora! Huh? Wow! Who's this? Huh? It's okay. He's my friend. Hi, I'm Sora. And I'm Lumpy. It's nice to meet you. Stuffering, sassafras, stomp around a little louder, why don't you? Oh, Gopher, I'm sorry. I kind of like it when the ground gets bouncy. Oh. Well, I suppose if something has to bounce. Speaking of... Back for some more bouncing, Sora? Tigger! Come on, let's go! You too, Roo! Yippee! Me too, me too! I wanna bounce! Oh yes, it is time for bouncing! No more! All would be bouncers are welcome! Oh, I remember now. Rabbit's trouble is harvest related. Well, thank you for remembering my plight, Pooh. Better late than never. Excuse me? Would anyone else care to remember why we're here? As I recall, we came to help you with your garden, Rabbit. After which, perhaps... You'll invite us in for a smackerel or two of honey?
correct. No, no. I mean, we'll see about that, Pooh. Now, the garden, if you please. You can help too, Sora. What? Me too? Je sais pas pourquoi je suis venu là. Every gardener knows the key to a bountiful harvest is proper proportions and perfect timing. Tiggers like gardening, not as much as Bonesa know. On est combien là? On est deux, je te vois. Alors attends, je vais profiter que quelqu'un regarde. Alors. Périphérique. Périphérique audio, réglage du microphone. Ah, mais après, j'ai peur que ce soit trop fort. Parce qu'après, ça risque d'être agressif quand même. Bon, là, le bleu est un peu avant le trop élevé. Je sais pas si c'est un petit peu. En fait, je vais régler à chaque fois parce que j'avais déjà réglé ça. Après, je vais laisser comme ça parce que sinon, j'ai peur que ce soit peut-être un peu trop fort quand même. On va faire comme ça. Ouais. Je vais essayer comme ça, on verra. Allez, on y retourne. Do you suppose there's any way for me to help? I would very much like to. Bon, elles sont où ces carottes là? C'était plus grand. Ouais, il faut qu'il m'entende, mais faut pas non plus que tu vois, ce soit trop agressif. Je dis pas que j'ai une vilaine voix, mais bon, c'est pas non plus. Bon, comparé, j'ai regardé une aujourd'hui qui a, je crois, 200 000 personnes. Mais ça ne fait rien, je sais plus son nom, c'est Amarante ou je sais pas quoi. Elle dit rien, elle fait rien. Elle est là avec son micro, fait des bruits chelous. 200 000 vues quoi. Enfin 200 000 viewers, pardon. Je suis halluciné. Puis toi t'es là, tu présentes des jeux sympas, que ce soit toi ou moi, hein, on présente des jeux assez fun, tu vois, voilà. Okay. Bon là j'avoue que Winnie l'ourson c'est pas très fun, mais... En règle, ça a l'air cool. Et la meuf, elle tape dans son micro, 200 000 viewers, quoi. Bon, elle est pas mal. Physiquement, j'avoue que ça doit être ça qui fait que... Bon, moi, je crois que je vais sortir de là. Je viendrai en hors live Winnie l'ourson. Je crois que c'est le... C'est vraiment le truc que les gens dans ce jeu ne supportent pas, c'est le pack Winnie l'ourson quoi. Le petit passage là, c'est nul.
Ouais, je sais plus son nom, mais c'est vraiment très chelou, vraiment. Faudrait que je la retrouve et puis je te donnerai le lien que tu regardes ces vidéos si tu te dis, mais comment c'est possible? Elle fait rien d'intéressant, c'est nul. Si tu veux aller voir un monde en particulier, avec plaisir je te le montre hein, s'il y en a un qui est intéressant de voir. Là j'ai Toy Story disponible, j'ai Hercule, Réponse, Monstres et compagnie, t'as pu apercevoir un petit bout, et là j'ai la Reine des Neiges. Allez. Ah ouais, j'ai encore droit de me taper tout ce qu'il y a avec les gummies. Configure. Ah bah je peux rajouter des trucs, ça c'est une bonne nouvelle. Non, ah, je sais ce que j'ai fait faux. Voilà, c'est là. Ah, il est cool, mon Goumi. Satellite, on s'en fiche. Voilà. Ça. Mais ça, c'est même pas moi qui l'ai fait. Hein. C'est un. Comment dire un... Oh, mais. Ils m'ont enlevé tout. Oui. Ah voilà, ça c'est le mien. J'ai rajouté un petit peu de vitesse. Alors, poser des blocs. Est-ce que j'arrive à poser ça? De chaque côté, c'est possible? Ah, j'étais sûr. Ah, si, c'est bon. Ah, non. Par contre, c'est un peu laborieux pour. Oui. Ok. Ah, c'est chiant à faire. Ok, bon, on recommence. C'est chiant. Laser, j'oublie, je peux pas mettre non plus. Ça qui est pénible. C'est déjà pas mal, oui. Ah, merci. Déjà dans les anciens jeux, je déteste faire ça. C'est insupportable.
Oh là là. Stop. J'insiste, hein. Je commence à être fatigué là. Oh, stop. Oui. Oui. Pourquoi? Il faut absolument qu'il soit posé, c'est ça. Bon, allez, stop. Ah, ok, j'ai effacé ça. Ah, désolé, hein, c'est... Je te dis, avant, déjà dans les autres jeux, c'était insupportable à faire ça. Hop, hop, non. Oh, mais c'est pas incroyable. Bon, j'abandonne. Ça suffit. C'est bon, allez. De toute façon, ça ira très bien. Bon, là, pour aller sur une planète, t'es obligé de faire ça. C'est parti. En mode Star Wars. Non, il faut que j'aille là-bas. C'est pas mon vaisseau, ça. Bon. C'est l'heure du boss. Oula. Ça devrait passer.
Ouais, c'est une fourchette, ouais, exact. Ça s'appelle, ils appellent ça le satellite. Ça augmente tes stats. Hors live, je referai mon vaisseau parce que c'est vraiment le truc pas intéressant du tout et tellement pénible à faire. Ouais, c'est ça, fourchette de ratatouille quoi. Il y a ratatouille en plus hein. T'as un bistrot, tu peux faire de la cuisine avec la... Avec, je sais plus comment il s'appelle, la souris là. Rototouille là. Ouais, c'est un petit plus de gameplay, c'est pas... C'est rigolo. J'ai envie de dire, ce jeu c'est une bonne pub pour Disneyland quoi. T'as jamais été à Disneyland, tu vois ça, tu joues à ça, tu dis « Ah, tiens, pourquoi pas ?» Ils sont malins, les Japonais, quand même. Hein. C'est une bonne promotion pour aller en Asie, parce que je pense pas que le Disneyland, là-bas, il marche des masses. Avec tous les mangas animés et tout ça. Je pense pas que Disney, c'est ça le truc de fou, quoi. C'est long pour rien en plus. Tu es juste. Allez. C'est parce que j'ai un vaisseau pourri, c'est long. Un de moins. Allez, dernière ligne droite. Allez, on fait le bourrin, voilà, c'est bon, c'est pas fini? Apparemment pas, ah voilà, ah non, sérieux, oh, je tiendrai jamais le coup là. Ils abusent. Bon, ça part assez vite. Ouais, mais là, je vais être KO là. Moi, je tiendrai jamais. Ces tourelles là crèvent pas ou quoi? Ah, un de moins. Allez, j'y crois. J'y vais au talent si j'en ai. Ah, t'oublies, j'y arriverai jamais. Allez, bon. Encore une fois, je suis KO. J'ai rien pour récupérer de la vie en plus. Plus rien. C'est mauvais.
C'est chiant ces phases de Goumi, je déteste ça. Ça c'est vraiment le truc qu'ils auraient pu supprimer, ça m'aurait pas dérangé du tout. Je suis obligé de me mettre quelque chose là. Sinon je tiendrai jamais. Ouais oui, c'est bon. Déjà, c'était pas le bon vaisseau. C'est celui-là. Modifié. Ouais, tu parles. La fourchette m'a sauvé. Compétences. Soins. Voilà, ok. Après, est-ce que j'ai des blocs? Bloc auxiliaire, on va voir ce qu'il y a. Bouclier, ça c'est bien. Rien. Les options, c'est quoi? C'est. Non, mais on s'en fout, on s'en fout. Vraiment rien d'intéressant. Ah, ah mais il y a les HP et la puissance, ça c'est bien ça. C'est sérieux? Je fais quoi avec ça? C'est kitsch quoi, sérieux. Je vais me balader avec un chien sur le... c'est moi. Ah non, j'ai plus de cockpit de nouveau. Oh là là. Est-ce qu'il peut arrêter de mettre ses cockpit à chaque fois? Là, je vais garder celui-là en fait, c'est celle qui vaut. Là. Mais j'ai de la place encore, ça qui est chiant. Modifie. Si je me casse. Coût 70, c'est bon, j'ai de la place pour mettre ça. Voilà, non? Voilà, c'est bon. Déjà ça, non? Oui. Oh mais. Oh là là, c'est chiant. Non. Non, là c'est bon. Ça,
On va envoyer les comme ça. Ah non, déjà. Oh. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que ça? Voilà, ça m'en fait deux. C'est bon maintenant. Oui. Oui. Voilà. Oui. Je crois qu'on est bon là. Ouf, c'est chiant ça. Décollage. Oui. C'est celui-là? Non, c'est même pas celui-là. Non. Voilà. Enfin. Tiens, j'ai presque envie de jeter le jet par la fenêtre. Ah, désolé, hein. Pour ceux qui regardent et qui regarderont, c'était très laborieux, hein. Vraiment mauvais. Très mauvais. Et puis il faut tout recommencer en plus. Oh là là. Tout ça pour aller voir la Reine des Neiges. Par contre, ce serait bien qu'ils mettent une mise à jour pour le pilotage, hein, parce que c'est un peu laborieux. Hein. Ça bug. Tu vas aller en bas, il va pas en bas. Hop là. Là, ça commence très bien. Touche niveau 20 de vaisseau, c'est déjà pas mal, non? Pourquoi il fait demi-tour? Laisse-moi aller là-bas! Je te m'embête. Ah, il fait ce qu'il veut, hein. Avant la mise à jour, c'était encore pire que ça. Tu pouvais même pas descendre le vaisseau, il allait en haut, il montait. Impossible de descendre. Là, ça va un peu mieux, mais c'est toujours pas ça, quoi. Ouais, 21. Ça va faire la différence. Oui, j'aimerais bien atterrir. Ah, bah, je comprends rien. Maintenant, je peux atterrir sans autre. Continuer. Enfin quelque chose d'intéressant. Ouais. Aller vers l'infini et l'au-delà, ouais. Surtout vers l'au-delà avec cette phase de gameplay que j'ai montré. J'avais envie de me tuer à ce moment. C'était mauvais. Hey, Islander, what can I say? Huh? Huh? Look, even the sea's turning to ice. Donald, this isn't your magic, is it?
C'est dommage quand même qu'ils aient pas fait la VF. That girl, she looked so sad. Attends qu'elle chante. I wonder what happened. Non, c'est clair, je joue, hein, après j'ai envie que ce soit quand même agréable, pardon, pour celui qui regarde, tu vois, parce que là, toi, parce que voilà, t'es cool avec moi, mais quelqu'un qui débarque maintenant, il me voit pendant une demi-heure essayer de mettre un bloc de Goumi, il va se dire, bon, d'accord, on a affaire au teubé du coin, qui essaie de streamer, pourtant, les autres vidéos, je suis pas mort quasiment une seule fois et tout, mais... Là, c'est vrai que t'es laborieux. Mais j'avoue, je déteste ce truc de Goumi, je déteste, c'est l'horreur. Insupportable. Je préfère encore refaire 200 fois un boss avec Sora là, que faire mettre des blocs sur ce truc là. En plus, c'est inutile là. T'as, tu vois, je me suis fait tuer, je m'amuse à repimper mon vaisseau pour au final, j'y suis allé sans rien faire. Inutile. Du temps perdu. Mais bon, c'est pas grave, on garde le sourire à la bonne humeur. La carte, c'est pratique. Alors, est-ce que je peux éventuellement pimper une Killblade? Ah, celle-là, je pourrais toutes maintenant. Maintenant, c'est le dilemme, laquelle je choisis? Bon, celle-là, c'est ma préférée. Je trouve qu'elle est bien classe, quand même. Ça, j'aime pas trop. Celle-là, elle est moins bof. Ça, ça va. Allez. Ça, elle est bien vénère, celle-là. Voilà, enfin, de la bagarre. Voilà, je préfère passer 4 heures à faire des mobs comme ça pendant 4 heures que ce Goumi à la noix, quoi. Voilà, ce week-end je vais essayer Anthem. On va voir ce que ça donne. J'ai envie de faire mon propre avis, parce que tous les streamers que j'ai vu Isang Wen là. Alors lui il est pas du tout convaincu du tout. Hier il a pesté sur le jeu. Après de jeuxvideo.com encore il y a Titavion. Alors Titavion lui il a surkiffé. Lui il adore. Il y a une autre streameuse que j'aime bien qui fait du Destiny à la base. Elle a dit que c'était pas mal aussi. C'est un jeu, je sens qu'il va beaucoup beaucoup diviser les gens. Ça va être t'aimes ou t'aimes pas en fait. C'est un peu comme Destiny, je pense. Moi, le premier Destiny, je me rappelle la démo. Le hype de malade. J'étais là, waouh, magnifique et tout. J'ai joué au premier et puis au bout d'un moment. En fait, moi, c'est les jeux qu'il faut refaire.
300 fois la même mission, c'est pas pour moi en fait. Et j'ai peur que Anthem ce soit exactement pareil en fait. Ah, j'aimerais bien le game design de Anthem, tout ça, le robot, l'Iron Man style et tout ça, ouais. C'est alléchant. Mais même taper 300 fois le même monstre pour avoir un bout d'armure ou je sais pas quoi, ça va pas m'amuser beaucoup quoi. Je préfère des jeux comme ça, jeux d'aventure. Tu t'avances, tu découvres des choses et tout ça, t'es... Au pire, tu retournes de nouveau dans les mondes, mais pour faire du farming de coffres, tout ce que t'as loupé pour essayer de faire le 100%. Bon, moi je suis pas un adepte du 100%, hein, mais je trouve ça c'est inutile en fait. Passer des heures et des heures pour des coffres qui servent à rien. Comme je suis une streameuse là qui est sympa, hein, moi je l'aime bien, mais bon, quand elle fait ses Pokémon Shiny. Je sais même pas pourquoi je regarde en fait. C'est d'un ennui. Ah ok, cool. Ah non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas mal. Ça fait des petites pinces. Cool. J'aime bien. Pour revenir en thème, ouais, c'est vraiment Destiny, franchement, s'ils étaient pas trop bêtes, bah, ils mettraient la vue troisième personne, c'est bon, hein, c'est la même chose. Et je trouve que, bon, moi, quand j'avais joué Arcaniste, là, je trouvais stylé, les armures et tout, franchement. Là, ils rajoutent la vue troisième personne, voilà. Banco, hein, à la limite j'y retourne volontiers. Parce que j'aime bien voir mon personnage évoluer. C'est cool. Que tu puisses choisir en fait. Ah non, mais moi non plus. Hein. Des fois je regarde parce que j'aime bien le streamer, tu vois. Mais sinon. Quand c'est. Je sais pas si tu connais Ken Bogard là, quand il fait ses shiny. Heureusement que lui il est sympa, puis qu'il a pas mal de conversations, puis tu peux parler un peu. Parle un peu de tout. Mais l'autre fois il est resté 3 heures dans de la flotte là avec son Pokémon là. Il a rien chopé. Il a rien chopé, c'est ça le pire, c'est qu'il il cherchait un je sais plus quoi là, un Kikli là. Ah non, ça c'était dans la grotte. Kikli 3 heures, ça aussi. Le Kikli 3 heures il est resté. Il l'a jamais eu. Ah, c'est d'un ennui. Après c'est comme tu dis, si t'en fous du gameplay, les gens ils restent pas, ben tant pis hein. Après, quand on est comme moi, novice, ben, t'as envie que les gens y restent, quoi. Donc, si tu montres des phases de Goumi pendant 2 heures. Ah non, moi je fais pas Shiny non plus. Là, j'ai fait le Pokémon, là, Let's Go, là. J'ai pris le Pikachu, j'ai fait les 8 badges, pardon. La Ligue Pokémon, j'ai fini la Ligue Pokémon. J'ai chopé 2-3 Shiny parce qu'ils étaient là, hein. J'ai fait les shiny parce que voilà, ils sont tombés par hasard, sinon hop, c'est pas là, c'est l'autre côté. Non, c'est juste je sais plus, ouais, c'est là. Ah non, ça sert, il reste pour personne ça. Mais bon, oui, parce que des fois tu peux rester si le streamer que tu regardes t'aimes bien. Après, le jeu t'aimes pas forcément, mais juste parce qu'avec t'aimes bien le personnage, quoi. Dire moi, je suis Zoltan. Il joue Warcraft, à Warcraft. Perso, c'est pas mon délire, j'ai jamais joué. Ah, c'est ça qu'il veut dire, il reste pour la personne. Ah, ok, d'accord, j'avais pas compris. Ah ouais, bah c'est tout à fait ça, hein. Bah c'est comme le jeu que tu fais, toi. C'est pas trop macabre, mais bon, j'aime bien comme tu parles, c'est cool, tu réponds aux questions, et c'est sympa. Puis le jeu en lui-même, ça va, il est pas déplaisant non plus, hein, il est assez... Pour un jeu mobile, franchement, je suis étonné, il est assez nerveux, quoi. Tu t'ennuies pas trop.
c'est pas mal. Après, faudrait que j'essaye ce jeu d'ailleurs. De mon côté. Ah, tu m'étonnes. Parce que là, j'aurais pas de micro. On se fait chier quoi. Pour pas être trop vulgaire. Ça, je pense que. À court terme, je vais peut-être. Investir dans un casque qui réduit les parasites de bruit, parce que je sais que j'ai entendu. Là, j'essaie de mettre ma manette le plus loin possible du casque. Parce que dans les vidéos, j'ai remarqué qu'on entend quand je joue et c'est pas très joli, quoi. Et comme je suis quelqu'un de très très pointilleux, tant que c'est pas parfait, je serais pas satisfait, quoi. Et mercredi, je vais me faire avoir vite. Allez, résiste encore. Voilà, juste au bon moment. Alors là, j'ai de la chatte. Bon, en fait, mon but de streamer, c'est même pas forcément de jouer. Hein. Alors oui, c'est le but de jouer. Mais quand j'ai vu que c'était les gens, les autres streamers, ils s'amusaient à parler avec les gens, à répondre à des questions et tout. En fait, c'est vraiment ça qui me plaît plus que le fait de jouer, en fait. C'est partager. Je vise pas à être professionnel, ni à être sub, ni rien du tout. C'est vraiment pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment partager, puis on peut parler de tout et de rien, hein, c'est-à-dire, tu vois... Je joue à Kingdom Hearts, mais bon, on peut parler dans le thème, on peut parler de la vie en général aussi. S'il y a des gens tout d'un coup qui ont des questions sur n'importe quoi, bah si je peux y répondre, bah, c'est ça. Hein. Tu sais, des fois, on a une oreille attentive où on s'y attend pas, puis si je peux être cette oreille attentive pour quelqu'un, bah avec grand plaisir. Pour ça, moi, je suis ouvert d'esprit à fond, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils osent pas parler, des fois, comme moi, comme nous, on peut faire maintenant, en streamant, parler, là, ils osent pas faire ça, mais en pareil crise, ils arrivent à s'exprimer, à exprimer des choses. Et j'ai déjà vu chez d'autres streamers, bah, y en a qui sont, voilà, des fois, ils se dévoilent. Ils sont cachés par le pseudo, et puis, ils obtiennent des réponses, et puis c'est ça qui est cool. Après, c'est vrai que bon, bah là, t'es là et je t'en remercie à fond. Hein. Là, t'es là, donc ça me permet de discuter. Puis, bah, c'est super cool de ta part d'être là. Tu pourras pas retirer. Non, bah, ça, je sais bien. Mais si j'ai un casque qui empêche les parasites comme ça, ce serait pas mal. J'ai vu qu'il y en avait qui faisaient ça. Je vais essayer de regarder. Pas non plus me ruiner. Oh là. Je crois que Rox nous a quitté. J'espère que tout va bien. Alors ça, j'ai vu cet après-midi. J'ai vu ça cet après-midi. Cheese omelette, ouais. Got it. 200 €. Ouais, ça va. C'est honnête. C'est honnête. Ah, celui que tu m'as montré, ouais, j'ai regardé, hein, les styles séries, ils sont classe, hein, purée. Je l'ai vu, franchement, ça donne envie, hein, ils sont beaux. Hein. J'ai bien regardé, merci d'ailleurs de m'avoir montré, mais ouais, c'est vrai que le prix, par contre. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un investissement à long terme aussi. Parce que d'un genre de casque comme ça, tu vas t'acheter ça une fois, après, ça vaudra, une fois que je me serai, j'aurai un PC, etc., que je pourrai faire mes scènes et tout ça, ce casque, ben, il est à long terme, hein, c'est pas pour 6 mois, quoi. Donc, oui, tu gaspilles 200 €, mais en fin de compte, ça va. C'est pas non plus la fin du monde, quoi.
did you come from? Hi, I'm Sora, and I... I'm from... Let's just say, someplace a little warmer. I'm Donald. And I'm Goofy. Are you visiting Arendelle for the coronation? Huh? You got us. So, what's your name? Elsa. Queen Elsa of Arendelle. What? The queen? You shouldn't be out here. Please go back to the village. Why? Your Majesty, you look like you could use a friend. Don't you want to talk? Please leave. I need to be alone. I don't want to hurt anyone. Oh. Is it that bad? You must have been through a lot. We know what that's like, don't we? Sure, adventuring's fun, but it definitely has its ups and downs. When the going gets tough, us friends have to stick together. Exactly. Although, Donald, you do lose your temper a lot, so I can relate to wanting some alone time. What? I don't do that. Enough! Wow! Pas contente, hein? Elsa, did you? The Heartless. Ah, la bagarre. Don't worry, we got. Ah, c'est quand même assez joli quand même. Hein. Ouais, je suis en extase à chaque fois. Ouais, bon micro, ouais. Ça va vite aussi un micro. Après, j'ai pas. Ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est clair, hein, je suis conscient que un bon micro, ça change tout. Hein. Bon, on a beaucoup de streamers que tu vois, ils ont des casques, hein, ils ont pas forcément un micro comme tu as par exemple toi. Hein. Il y en a beaucoup qui ont des casques, c'est clair, des micros dans le style Costco pas. Il y en a aussi beaucoup qui ont des casques micro, et puis ça va, c'est bien. Hein. Le son est pas mal aussi. Justement, Zoltan, le casque qu'il a, il a sa copine qui parle à côté, personne l'entend quoi parler quoi. C'est hallucinant quoi. Après j'ose même pas imaginer le prix du casque mais. Oh. Et pas sympa lui. Ouais, il faut que j'investisse dans un casque, quoi. C'est... Le casque PS4, c'est... Ouais, c'est de la pub, quoi. Après... C'est pas forcément le meilleur des casques non plus. Ouais, c'est vrai que ça va. Ouais, 25€, ça va, hein. Mais bon, moi, ce que... Parce que là, je suis dans ma chambre, dans mon lit, en train de jouer. Donc le masque, le micro, c'est pas l'idéal pour moi. Là, je suis, tu vois, l'avantage du casque PS4, c'est sans fil. Ouais, c'est ça quoi, on peut pas tout avoir. Et ouais, il est méchant, lui, hein.
joli carrousel. Alors ça, si c'est pas de la pub. Trop lent. Loupé. Bien. Je sais pas si celui-là a fait grand chose, non. Des bons 5 APV comme on les aime. Ah, y'a pas ça dans le thème des monstres aussi jolis, hein. En tête, ce qui me dérange, c'est le fait d'être derrière son flingue et tu tires. Voilà, puis t'attends qu'il meure. T'as pas l'impression de ce sentiment de puissance, tu sais, de... Ouais, j'ai une arme puissante qui va le dégommer, boum, je tire 4 balles, enfin non, c'est... Tu vas tirer pendant 2 heures avec ton flingue pour rien, quoi. Ouais. Pour ça, je vais peut-être aller en magasin, puis voir s'il y a quelqu'un qui peut me conseiller un bon casque. Ciao. Ok, un bon casque pour... En attendant que je me mette un bon matos. Comme je t'ai dit, pour le moment, je vais pas investir un casque encore, même si après j'arrête le stream, et puis que voilà, le casque il sera toujours utile. Que ce soit pour mes parties online et tout ça. C'est pas un achat bête. Moi, ce que j'aime pas, c'est les achats bêtes. T'achètes un truc, puis au final, tu te le dis jamais, quoi. Ah, on peut plus faire ça avant. That's amazing. You can control ice. Control it? No, all I ever do is hurt people. It's okay. Those were just the heartless. You said that word before. What are they? Monsters that are after people's hearts. Wherever they go, there's trouble. They're after people's hearts? Yes, they're dangerous. You should head home. Après, ouais, l'idée c'est que j'investisse dans un PC pas trop trop cher, et puis un bon casque, et puis je puisse gérer mes scènes. What? Ouais. Non, mais t'as raison. De toute façon, si c'est, j'achète un, même si c'est un peu trop, un peu plus cher, je pense que j'irai vers un casque avec les réglages. Je pense que ça va me coûter plus cher, mais comme j'ai dit, c'est un bon investissement, peu importe l'avenir, stream ou pas stream, quoi. Oh, don't worry, she'll be okay. Seems like she's pretty strong. You gotta let her go. She wants to be alone. Après, bon, moi, ça fait qu'une semaine que je fais ça, hein. Je pense que quand t'as commencé, t'as dû aussi emmagasiner beaucoup, beaucoup d'informations. Puis après, il faut un peu, tu vois, tout remettre un peu à sa place. C'est... Comme on dit, c'est quand même un métier, hein. C'est pas évident non plus. C'est un apprentissage. Oh yeah, you forgot. The name's Larxene. This time remember. And we'll take care of Elsa, so don't you worry. Do you... Nope. Well, she seems to think she knows us, so maybe we should play along. Not unless her name's Terra. Excuse me, I'm right here. Oh. Why are you after Elsa? No one's gonna hurt her, but we're not about to put up with your meddling. Stay here and behave yourselves.
Wait! The ice! It's going to wall us in! Ouais, c'est dommage parce que ils font cette fonction justement pour pouvoir diffuser des images. Je dirais que c'est un truc que tu rajoutes à part en plus sur ta console. C'est pas, c'est un truc que tu peux vraiment faire depuis ta console. Ils ont prévu de le faire. Pourquoi ils font pas quelque chose de vraiment bien, quoi? C'est dommage. Ah ben c'est clair que le PC, t'imagines là, si je veux maintenant retourner régler, je dois mettre pause, arrêter le jeu. Essayer de régler, machin. Bon. Après, il y a bon, y a des streamers, j'ai envie de dire professionnels, vraiment, qui ont des centaines de milliers de viewers. Des fois, ils sont tout pourris, on sait pas pourquoi, puis ils règlent, machin, puis voilà. Mais bon, t'as déjà une communauté, c'est... Une fois que t'as ta communauté, tu peux peut-être te permettre 2-3 petits défauts des fois. Les gens comme moi, qu'on commence, les erreurs, ça peut être, tu décolles pas quoi. Après, je suis pas pressé non plus. Hein. J'ai un boulot, ça va, je fais vraiment ça, vraiment pour le kiff. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, bon. Tant pis. Mais j'aimerais bien que ça marche, parce que j'aime bien ce côté, justement, en rapport humain. C'est ça que j'aime bien, quoi. Je pense que, ouais, quand tu te mets en stream, quand tu te mets en stream et que t'as, tu sais qu'à chaque fois, t'as entre 200 et 300 personnes qui te regardent, ouais, je pense que t'as droit à 2-3 marges d'erreur. Au contraire, ils vont trouver ça rigolo. Ils sont tout contents, en fait, de participer, de dire « Oui, oui, c'est bon, le son. Ah, nickel, parfait. » Ah, ça va pas, tu vois, ils sont contents de participer, parce que tout à fait normal, hein, quand t'apprécies quelqu'un, là. Mais bon, moi, je suis encore qu'un inconnu, un lambda. Un très jeune apprenti. Un padawan. Padawan première semaine. Mais bon, j'ai peut-être du potentiel et puis il faut que je l'exploite, on sait jamais. Elle est pas mal cette petite épée de monstre et compagnie, enfin Keyblade, j'ai toujours la peine à dire. Épée, Keyblade. C'est pas un mot commun, un Keyblade, c'est vrai que c'est... Oh, il m'a sortir du labyrinthe. Ah bah alors là... Je crois que je m'enfonce plus que je sors, mais... Bon, là, j'imagine que mes pouvoirs de feu... vont cartonner à fond. Oh, j'ai pris mon brasier plus, là. Comment ça se fait? Bon. Pourtant, je l'avais mis. Bon. On va éliminer tout ce petit monde. Alors, normalement, ça, c'est des électriques. Qu'est-ce que font des électriques en... Un truc de froid, quoi. Par contre, ça, cette attaque, elle est mal gérée. Tu vois, c'est un peu du n'importe quoi. Ouais, mais là, je pense qu'il est pas trop mal réglé pour une PS4, comme ça, je pense que je suis pas trop mal. Après, là, j'ai augmenté, hein, depuis que tu m'as dit, j'ai monté un peu, là, déjà. Parce que, ouais, je suis encore envie de dire, je fais des vidéos, mais je suis encore en train de, ouais, de tout... Bon, j'ai envie de dire, un streamer, il est toujours en train de s'améliorer, hein. Il est jamais bon, il est toujours en train de s'améliorer, enfin, moi, je pense que c'est ça. T'es jamais excellent,
toujours des trucs à faire, mieux à apprendre. Comme tout métier, hein. Mais streamer, j'ai envie de dire, c'est quand même un métier de, en guillemets, un peu de spectacle, quand même, hein. C'est... Une fois que t'es en caméra, tu vois, comme toi, t'es le matin, bah tu te montres, t'es là, tu discutes, tu fais un peu le show, t'es là, ouais. Tu commentes, t'es un commentateur, un joueur commentateur, c'est ça. C'est les métiers de l'avenir. Moi, je suis quasiment convaincu que le streaming, c'est les métiers de l'avenir. Ah non, j'hésite pas à les regarder, au contraire, je les regarde tous, pour être sûr que c'était pas trop mauvais, puis... Essayer de régler pour la fois suivante, mais là je peux pas m'amuser à régler tout le temps, sinon je fais jamais rien. Parce que j'ai mon attel en même temps avec l'écran. Je regarde la vidéo en même temps. Sans le son bien sûr, sinon ce serait une catastrophe au niveau. Ah oui. Avant que j'oublie, c'est pas ça. J'avais le brasier X, ouais, ben voilà pourquoi il s'est enlevé. Ah, ça, c'est pas. Après, je vais te montrer le Simba en action, c'est pas mal, ça vaut la peine. Ah oui, ah, pourquoi ça m'a changé? Voilà, moi je veux ça. Le 7A. Eh merde. Soit haut. C'est pas ça que je veux. Soit plus. Ah bah ça c'est pratique. Voyons voir. Soit plus. Ok. Alors on va commencer. Rond. Brasier plus. Triangle. On va mettre... Au plus, ça c'est bon, soit on remplace par soit plus. Ah voilà. Ah, je peux en mettre plus, voilà. Ça doit être ça en fait. Non? Ah, mais si je vais dans le menu magie, je peux avoir ça. Oh, je comprends rien des fois leur truc. Bon, on verra bien. Prochain combat. Je peux pas faire de grimpette. Ok, j'ai compris, c'est dans les raccourcis. Ah, je viens de me réveiller, c'est bien. Ah, mais si je fais ça, c'est trop long. Ah, il faut que j'arrive ça, ça va pas du tout. Ouais, c'est pour ça. Pour le moment, je fais comme ça. Si franchement, c'est passable. Bah, je continue un petit moment comme ça. Avec ma femme, j'ai rigolé. J'ai dit, ouais, à 500 followers, je m'achète le PC de la mort qui tue avec un bon casque. Je crois qu'il va mieux que 6, donc je vais encore. Je vais avoir encore quelques heures à streamer comme ça. Après, je sais bien, c'est investi dans du matos, mais c'est ça qui me fait peur en fait, c'est d'investir dans du matos pour rien. Mais, ouais, ouais, on a rigolé, j'ai dit. Parce que je me suis quand même, hein, pour ça, elle est super cool. Je lui ai dit, à 500 followers, je m'achète un PC qui tue. Ah, elle a rigolé, elle dit bon bah. T'en es même pas encore à la moitié. Voilà.
Tu vois, bah bon. L'espoir fait vivre, hein. C'est jamais. Moi, je dis, des fois, il faut un peu aller voir si des streamers un peu plus connus, tu sais, ils te donnent un petit coup de pouce une fois, tu vois. Parce que je suis Zvonimir. Lui, il est super sympa, parce qu'il a... Il y a un gars de Genève, là. Bah, il a hébergé sa chaîne, tout simplement, et en hébergeant sa chaîne, bah, il a pu se faire, déjà, presque 200 followers dans une soirée, quoi. Grâce à l'hébergement de Zvonimir, qui est un chouette gars, si jamais, je conseille. Il est super cool. Il répond aux questions, il prend le temps, c'est vraiment super sympa, le mec. Après, voilà, t'oses pas non plus, hey, salut, tu peux héberger ma chaîne, histoire que je puisse monter un petit peu, quoi. Je dis pas de faire 1000 followers, mais arriver à 15, quoi. Ce serait pas mal. Ah, des fois, ça fait rire. Et je pense... Ouais, voilà, c'est ça, la commande raid, exact. Après, je pense que même si pendant, allez, 2-3 mois, t'as rien, c'est là où il faut... C'est comme le sport, tu vois, j'ai envie de dire, c'est comme le sport. Tu commences un sport, si tu, au bout de 2 mois, tu lâches, t'arriveras jamais à vraiment avoir un suivi. C'est ça le truc. Là, j'ai envie de dire, à mon avis, ça, c'est un peu le même principe. En moins fatigant, hein. C'était posé quand même. Mais si tu lâches tout de suite, à mon avis, c'est là que tu n'y arrives pas. Il faut quand même être assez régulier dans les vidéos et tout ça. Ouais, c'est ça. Ça vient, ça part. C'est pour ça, en vivre, c'est chaud quand même. Hein. Parce que même si t'es super connu, il suffit qu'un jour tu dises un truc que ta communauté n'aime pas. Et puis c'est fini, tu bosses plus, quoi. Parce que des fois, ça va, la notoriété, c'est... Autant aujourd'hui, t'es le gars le plus populaire de du streaming, du machin, que tout d'un coup, tu dis le truc qu'il faut pas, ou une embrouille qu'il faut pas, et puis... Et puis t'es mort. Après, bon, il faut vraiment... Il y aura toujours des gens qui seront d'accord avec toi, hein. Mais ça peut aller très vite, le contraire. Ah, est-ce que ça... Mais sérieux, c'est chiant ce monde, hein. Déjà, si je trouvais la carte, ce serait pas mal. Parce que là, sans la carte, c'est un peu misérable. Et c'est pas le plus beau monde qu'ils ont fait, hein. Franchement, jusqu'à maintenant, le plus beau que j'ai vu... Ça reste Toy Story. Franchement, Toy Story m'a donné une claque. Ça, c'est basique. Je trouve ça assez... Ouais. C'est pas là où ils se sont vraiment cassé la tête. Hein. Là, c'est du... du vite fait, mal fait, j'ai envie de dire. Bien fait. Parce qu'il faut pas non plus cracher. Mais pas top, quoi. C'est Toy Story, vraiment... Là, ils se sont donné de la peine. Je pense que c'est comme les films, tu sais. Au début, t'envoies la sauce, machin, et tout. Au milieu du film, tu te fais un peu chier. Puis après, il relance vers la fin un petit peu. Ah, là, je suis pas allé, je crois. Ah oui, c'est clair, c'est les risques du métier, hein, tout à fait. Hein, ça. Ah. Ah, ça sent la bagarre. Après, quand t'as pas la pression de réussir non plus, des fois, c'est là que ça peut marcher le mieux, en fait. Parce que tu... Comme j'ai dit dans une autre vidéo une fois, je pense qu'il y en a beaucoup... Bah, ils sont peut-être un peu au chômage, ils ont besoin d'argent, et puis... C'est clair que je trouve que c'est un bon moyen de peut-être... Bah, avoir un revenu nettement, hein, puis en plus faire un truc que t'aimes vraiment, quoi. Parce qu'il faut s'avouer, hein, les jobs que tu fais dans ta vie... j'ai envie de dire, je suis sûr que 90% des gens au monde font pas du tout le travail qu'ils ont envie de faire. Ils sont pas heureux dans leur travail. Moi, maintenant, on me dit... Silver, enfin d'ailleurs, ouais, bon, tu vas avoir 1 million de followers, à chaque fois que tu te connectes à 4000 personnes, tu te fais 4000 euros par mois de sub ou comme ça régulier, bah ouais, bah je chine demain, hein, c'est clair.
Parce que ça, là, oui, je vais enfin faire un truc de malade. Un truc que tu rêves de faire, jouer et tout, c'est parler aux gens, jouer, enfin, c'est un truc de ouf. Là, ouais, tu fais le métier de tes rêves. Bon, ça va, c'était facile. Tu fais un métier de malade. Mais bon, pour en vivre, c'est dur, hein. Non, c'est sûr, ça. Ce sera pas pire, non. I think there's a way to rotate this pillar. Après, je suis convaincu que c'est toute une question vraiment de patience, quoi. Moi, je suis quelqu'un, j'avoue, de pas très patient. Je peux dire, ouais, je vais faire des vidéos, puis je vais avoir, je sais pas, 50 followers, easy. Et non, je suis vite retombé. Bon, je suis quelqu'un qui revient très vite terre à terre, hein. Je me laisse pas emporter par l'euphorie non plus. Ah oui, attends, ce qui... Ah, c'est ça, non? Non, c'est pas... Oui, c'était ça. Bingo. Ouais, comme je disais, c'est que... être streamer, à mon avis, pour en vivre, c'est vraiment une question de patience. Puis avoir un peu de chance. Je pense qu'un peu de chance aussi, ça aide. Si t'as du bol de... que un ou deux streamers un petit peu connus, machin, comme ça, t'héberges un peu, une fois de temps en temps, ils t'hébergent. Puis que bah, les gens qui étaient en train de regarder tel, bah, ils migrent direct sur ta page. Bah, ça peut être sympa. Après, il y a autre chose, si après tu te fais connaître par ton propre mérite, alors là, c'est de la classe. Là, c'est GG à fond, quoi. Là, c'est la classe internationale, quoi. Que petit à petit tu te fais connaître parce que les gens ils kiffent comme tu parles, parce que t'es rigolo, machin, alors là top. Que tu puisses te remercier avec toi-même, c'est le top. Ouais, bon, moi celui qui m'a donné envie de streamer, c'est Zoltan. Voilà, lui j'aime bien ce personnage. Je sais pas si tu le connais, mais Zoltan, c'est lui qui m'a donné envie de streamer, je sais pas pour... Voilà, j'ai envie d'être... de faire comme il faisait, lui, tu vois. Après, le jeu qui fait... bon, il fait Warcraft. Bon, ça... Moi, j'ai jamais joué, donc... c'est vrai que c'est pas ma cam. Après, Star Citizen, qui fait régulièrement, bah, ça, c'est... On peut tous le faire, hein. Suffit d'aller... sur site officiel de Robert Machin Industries, là, tu payes 40 euros, t'as le Starter Pack à 45 euros, je crois. 70 avec, ah, tu connais, ouais, bah voilà. Donc on peut le faire. Après, c'est comme je dis, si on est trop à faire la même chose, est-ce que c'est vraiment intéressant? Merde, j'ai encore pas changé mes commandes, là. Mais Zoltan il m'a donné envie de faire, franchement. J'aime bien ce personnage. Il est cool et puis ouais, c'est comme je dis, c'est un jour je devrais être connu. Bon alors là c'est dans très très longtemps, hein. Ah j'oublierai pas ceux qui m'ont donné envie, puis ceux qui m'ont aidé, parce que voilà, il y a beaucoup de choses j'ai appris bah grâce à toi, hein, je l'avoue. Et puis je t'en remercie encore, hein. En peu de temps, bah, grâce à tes petits conseils, et puis montrer comment faire tout bêtement, mettre l'écran de ton PC sur Streamlabs, pardon. Bah, c'est tout con, mais bon, quand tu sais pas faire, tu peux rester une journée, trois jours à chercher, je suis mort. Ah non, je suis pas mort. J'ai cru.
Un dernier retour. Est-ce que je fais comprendre? Magie, oui. Alors j'ai des magies là. Lien, raccourci. Voilà. Et puis? Voilà, c'est ça. Ben, je veux ces raccourcis là. Pourquoi on peut pas? Ouais, ça marche bien, les jeux de cartes, j'ai l'impression que ça cartonne à fond. Moi je regarde Besta Marmotte là, pour moi j'y comprends, hein. J'avoue, j'ai jamais joué à ça, ça m'intéresse pas du tout. Mais Besta Marmotte il fait un peu des jeux de cartes et tout ça là. Ouais, c'est sympa, j'aime bien regarder en fait. Je suis un bon public à ce niveau là, après jouer ça m'intéresse pas du tout. J'y comprends rien, sérieux, j'y comprends le codage, j'ai jamais rien compris à ces cartes. Ok, bah maintenant c'est bon. Non, ça veut pas. Ah, ok. Ah. Je viens de découvrir un truc. Je suis mauvais. Brasier, voilà, sans plus. Ok, c'est bon. Mais j'avoue que les jeux de cartes, c'est... si tu sais jouer, ça. Merde, ça doit être super cool en fait. Oh là là. Là, ça a foiré, pourquoi? Parce que le bouton sauvegarder et puis l'attaque spéciale, c'est triangle. Ça, c'est peut-être pas très optimisé à la perfection, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça. C'est pas comme dans certains jeux où l'attaque finale, tu dois la... Je me rappelle de Final Fantasy X. Quand tu devais monter tu voulais tes chimères au maximum pour attaquer un boss, et puis que tu sais que t'allais galérer, et puis tu devais monter avoir toutes les ultimas, non, comment ça s'appelait, les limites à fond. Et tu faisais des combats pour pouvoir mettre la limite à fond de toutes tes chimères. Là, non, là, y a pas de ça. Est-ce que, attends, je vais faire un tour chez Coupo Coupo. Ouais, c'est ça, ouais, le versus. Excuse-moi, j'avais pas lu. Non, mais moi, justement, je suis ce gars, et puis il y en a d'autres hein, qui font des jeux de cartes. J'aime bien regarder, mais après, jouer, j'y comprends rien. Pourtant, en regardant, j'ai l'impression de comprendre, hein. C'est ça qui est marrant. C'est que j'ai l'impression d'y comprendre, mais j'y comprends rien du tout, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais, je me rappelle, à l'école, hein, je devais avoir 12-13 ans, c'était les Magic, là. Et ça jouait à fond Magic, moi je captais rien. Il y avait des tournois et tout ça. Hein. J'étais cool. Ça m'intéressait pas vraiment, quoi. Alors. Ah, je peux encore l'augmenter, hein. Mais il faudrait que j'augmente les autres. Ah, mais je suis tenté. J'adore cette arme. Voilà quoi. Faudrait que j'augmente au moins une autre aussi. Parce que là, après, c'est la misère. Alors, carte Pokémon, c'est le mon grand là. Qui fait. Ça, il aime bien. Et Magic, j'ai des copains qui jouent au Magic. Alors quand ils font, ça m'arrive, une fois de temps en temps, ils font des tournois de Magic, bon, bah, j'y vais, je bois un verre, et puis je regarde. C'est comme le poker. Bon, le poker, je m'en sors pas trop mal, quand même. Hein. Après, c'est pas le même délire que Magic, hein, ça, c'est bien compris. Mais... Et toi, le filon, j'aime bien, celle-là, elle est belle, je trouve. Faudrait la chaîne royale, parce que j'aime bien quand même. Je crois que c'est la première fois dans un Kingdom que tu peux faire ça, c'est-à-dire level up ta Keyblade. Et je trouve qu'on a la chaîne royale, jusqu'à. On peut jamais l'utiliser, tu l'utilises au tout début du jeu, puis après tu la revois plus quoi. Allez, soyons fous. Keyblade. La chaîne royale de base. Du coup, ça me fait Monstre et Compagnie, la chaîne royale et ma fétiche.
Moi, je suis vraiment... Moi, mes jeux préférés, c'est... Moi, je suis très aventure. Moi, j'aime bien tout ce qui est... Faut qu'il y ait une histoire, faut qu'il y ait un lore, faut qu'il y ait un truc, quoi, qui m'embarque. Ouais, faudrait que j'essaye. Faudrait que j'essaye de jouer à ces jeux-là. Le seul jeu de cartes que j'ai joué, bon, c'est à base de cartes, c'était Dragon Ball. Il y avait un jeu avec un système de cartes. Mais bon, c'est lassant, quoi. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est... Ouais, moi, je suis très jeu d'aventure. Tu vois, là, Kingdom, il faut qu'il y ait une histoire, quelque chose derrière. Sinon, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que des jeux comme Destiny... Comme Destiny ou maintenant Anthem, bah Anthem, je mets encore en parenthèse parce que si l'histoire me plaît puis qu'il y a quelque chose derrière de sympa, peut-être je vais peut-être craquer puis voilà. Mais si je vois que c'est une histoire bidon, à la Halo, voilà, il y a des convenantes, il y a des machins et puis ça s'arrête là, et puis il faut tuer le méchant, puis qu'il n'y a pas vraiment derrière quelque chose de super. De suspense et puis des retournements de situation. Moi j'adore, c'est les retournements de situation. Ouais, Division, ouais, c'est. Il y en a beaucoup de monde en parle, plus que justement Anthem qui essaye de cartonner. Bon, attends, juste deux secondes. C'est pas... Ah, mais si, c'est là, attends. Je l'ai fait. J'ai entendu beaucoup de monde parler de Division. Donc peut-être peut-être que je me laisserai tenter parce que j'ai... Il me semble il y en a eu plusieurs hein, si je me trompe pas hein. C'est pas le premier hein, si je sais pas, peut-être je me trompe, mais il me semble que c'est pas le premier Division ou bien. Enlève-moi le doute. Ça revient au même, non? Ah bah oui. Ah, donc il y avait un 1 déjà, ok. Ah, là-bas. Mais Division, ouais, j'ai vu, ça a l'air pas mal, hein. Ça me botte pas mal. C'est qu'en tête, j'aime bien ce côté robotique. Ouais, c'est vrai que... Et c'est ça qui mise à fond, et comme je t'ai dit ce matin, ce qui mise à fond, c'est le côté Iron Man à Donf. Ça, c'est clair et net. Il mise tout là-dessus, plus qu'autre chose, quoi. Parce qu'après, le reste, c'est un badge... déjà réglé. C'est un badge jeu, c'est du Destiny, mais à 1000%, il y en a plein... Je vois sur les forums et tout ça. Non, c'est pas du Destiny. C'est du kiff bourrico, c'est la même chose. C'est du copier-coller, c'est. Hop. C'est tout? Je peux rien faire d'autre? Ah, si. Ah voilà, il me semblait bien qu'il y avait un 2. Ouais, c'est le 2 alors. Ouais, mais c'est pas grave, moi j'ai les jeux à loot, ça me dérange pas hein, en soi-même, franchement. Mais moi looter. Mais que c'est pour. Voilà, tu farmes. Tu lootes des armures, tu lootes des nouvelles armes, tout ça, parce que dans l'histoire, après, t'avances. T'es obligé de looter pour avoir... voilà, parce que si t'as pas de bonnes armes, t'avances pas, c'est tout. Ça me dérange pas du tout.
Moi, ce qui m'embête, c'est vraiment... Bah, typiquement, parce que refaire 300 fois la même mission, 300 fois le même raid, pour looter une arme exotique que t'as déjà 4 fois, quoi. Que tu vas juste utiliser pour démanteler, et puis, puis voilà. Ça m'éclate pas du tout, ça. C'est d'un ennui. C'est moi, je suis à ce niveau-là, je suis à l'ancienne. Ouais, j'ai fait, je me rappelle, FF7. Alors là, je sais que je parle d'un monument pour beaucoup de monde. Hein. Pour moi, c'est un de mes jeux RPG préférés. Hein. Mais je me rappelle les... Voilà. Les heures que j'ai passées à rester à faire du surplace, à combattre pour augmenter mes levels, pour être plus fort. Et puis à la fin, quand tu fais que du level up pour monter, pour aller combattre contre Sephiroth, je suis mort. Ah non, c'est pas bon. Chaque fois, je crois que je suis mort, mais non. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que tout se ressemble. J'ai vraiment envie de, qu'il, je sais pas, qu'une maison... Que quelqu'un fasse enfin un jeu différent, quelque chose de vraiment hors du commun, qui sorte un peu du lot, quoi. J'ai l'impression qu'on joue tout le temps à la même chose, quoi. Ça, Kingdom Hearts, bah, ça ressemble à certains jeux, mais y a, au niveau du gameplay, bah, quand même des trucs sympas. Tu vois, au niveau de l'interface, tu regardes, tu vois, t'as quand même les magies à la Final Fantasy, hein, parce que ça, c'est pompé de Final Fantasy, bon, c'est Square Enix, c'est normal. Mais t'as ce côté Square Enix, t'as ce côté invocation qu'il y avait aussi chez Square et tout ça. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié, faut que je te montre le lueur du roi, c'est joli, ça, c'est beau. T'as les attaquer, machin, c'est, t'as un peu ce petit côté Zelda-like, tu vois, que tu peux bourriner avec ton Taki Blade, machin. T'as ce côté Final Fantasy, tu vois, je trouve que c'est un beau mélange quand même. Puis moi, je suis un, voilà, c'est peut-être con, mais je suis un très grand fan de Disney. J'adore Disney. Et puis voilà, c'est un jeu qui m'a toujours fait rêver, quoi. Et c'est vrai que là, dans celui-là, bah, je suis en plein kiff. Puis quand je critique, c'est, voilà. Ouais, je trouve que ce monde-là, il est un peu bof, quoi. Je trouve pas top, quoi. Il ne me sied guère. Je suis pas super fan de Toy Story, mais alors là, il était vraiment très très beau, quoi. Je suis un peu déçu, parce que la Reine des Neiges, je m'attendais à mieux. Alors peut-être que c'est que le début, hein. Alors... Et c'est là où je voulais revenir, en fait. C'est... Je trouve que Star Citizen peut être... Je dis peut-être, hein. Avec beaucoup de réserves, hein. Mais j'ai l'espoir que Star Citizen, avec ce que je regarde, il peut être et devenir un des meilleurs jeux qu'on va peut-être voir dans les prochaines années, quoi. Parce que là, au niveau là, ils sont à... Allez... Niveau développement, il doit être à 20-30%, même pas. Et ça donne envie déjà, ça donne envie, hein. C'est du lourd quand même. Pourtant, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. Les gens qui regardent. Ouais, c'est vrai, c'est du Devil May Cry, tout à fait. Bah, c'est Square aussi, je crois. Ah non, Capcom, pardon. Capcom, hein. Oui, c'est Capcom. Ah, j'ai un doute. Oui, Capcom. Oh, je sais plus maintenant. Oui, Cap. C'est Square ou Cap? Ouais, je sais plus. J'ai pas envie de dire des bêtises. Ouais, c'est un bon jeu. Ouais, c'est un bon jeu. Le Devil May Cry, j'aime bien. C'est vrai, j'avoue, j'adore. C'est bien, bien nerveux, quoi. Avec ton pistolet qui sert à rien. Ouais, Capcom, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu. Après, je préfère quand même l'univers Disney quand même.
En fait, ça dépend. Moi, j'ai des moments aussi. Je pense que toi aussi, t'as des moments où t'as envie de jouer à, par exemple, à... t'as envie de faire du Disney, t'sais, parce que t'as envie de faire un truc un peu nerveux, mais pas qui, t'sais, pas violent, que, t'sais, qui t'empêche de dormir la nuit, comme à Resident Evil, par exemple. T'as envie de faire des jeux un peu plus comme ça. Puis t'as des périodes où t'as envie de faire que du Resident Evil, que du, je sais pas, Silent Hill, que des jeux comme ça. Après, t'as tes périodes, bah, t'as envie de faire du Street Fighter, t'sais. Moi, je suis assez comme ça. Je suis assez, voilà, là, je vais jouer à Kingdom, et peut-être que, bah, quand j'aurai fini celui-là, bah, je vais passer à carrément autre chose, je sais pas. Là, maintenant, j'ai pas d'idée. Bah, Last of Us, je l'attends. Je t'imagine même pas. Le jeu de pirate. Jeu de pirate Atlas ? Non. Ah, jeu de pirate de Ubi ? Ça me dit rien. Pourtant, je regarde jeux vidéo pas comme tous les jours. Non, ça me dit rien. Jeu de pirate Ubi. Ah, ça me dit rien, désolé. Je vois pas trop lequel c'est. Ah si, attends, je crois que ça me dit quelque chose, c'est ça me dit quelque chose, mais j'arrive. Parce que je sais qu'il y a Atlas qui est sorti, enfin en pré-alpha, un truc comme ça, là. Et apparemment ça fait un beat total. Oh, ça c'est le... Après Ubisoft, ça peut être bien comme ça peut être vraiment du... Donne-moi ton argent, quoi. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. J'ai entendu parler, hein. J'ai pas vu grand-chose, donc je vais pas en parler. Parce que je déteste parler pour rien dire, et puis surtout de quelque chose que je connais pas. Donc je peux pas vraiment de parler de ça, parce que j'ai pas vu grand-chose de Traptis. Petites images par-ci par-là, mais ça veut rien dire. Tu vois, tout en PEM, tu voyais les vidéos. Moi, je bavais sur les vidéos. Après, je suis pas non plus idiot. Je sais très bien qu'il y a toujours un downgrade. Mais là, là, quand même. Hein. Enfin, toi qui as essayé, je pense que le downgrade, il était violent, non? Parce que j'ai vu justement un des streamers jouer. Il était sur la plateforme de départ. Ils ont oublié les textures, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais... C'était pas beau, quoi. Et puis moi, c'est vrai que... C'est un petit kikou lol, mais oui, les graphiques, j'aime bien avoir des beaux graphiques, quoi. J'aime bien avoir un truc sympa, joli, c'était du plaisir. Après, je veux bien sacrifier les graphiques. Je suis le premier à... Moi, je sacrifie les graphiques, mais alors je veux un gameplay de malade, quoi. Et comme tu disais pour Anthem, et ça j'étais tout à fait d'accord avec toi, si ça avait poussé le côté Iron Man, ouais, alors oui, là, chapeau. Ce truc, ouais, tu sautes sur l'ennemi, tu lui défonces le crâne un coup de... Bah ouais. Bon, là, je suis mort. Fallait bien que je meure une fois, quand même. Qu'il défonce le crâne, là, ouais, là, j'aurais adhéré peut-être plus. Mais là, j'ai l'impression que t'es derrière ta mitraillette, avec tes 4, 3 autres copains, et puis on tire pendant une heure sur une cible, un sac à PV. Et puis ça s'arrête là, quoi. Là, j'ai vraiment envie... Ouais, Last of Us, je pense le jeu que j'attends cette année absolument. Parce que c'est le seul jeu que ma femme a été... Le 1 a été le seul où elle a été d'accord de se poser à côté de moi et regarder. Ouais, tout à fait. Alors là, je te remercie. Ubisoft, c'est totalement ça. T'achètes les Assassin's Creed et tout de suite, ça l'a pris. Il faut attendre les mises à jour. Parce que là, j'ai fait Odyssey. Et encore aujourd'hui, c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de mieux hein, au niveau petit. Mais, j'ai bien aimé. Parce que moi, j'adore la Grèce. Parce que Grèce antique, les dieux, les machins, tout ça, j'adore ça. Là, franchement, j'étais un peu triste d'y c'est quoi.
Je m'attendais à qu'il pousse un peu plus sur la mythologie. Là, c'était un peu... Ouais, les assassins, je suis très grand fan de la licence, j'adore ça, mais plus en plus, j'en ai marre en fait. J'en ai vraiment marre. Ils se foutent un petit peu de la gueule des gens, quoi. C'est du facile, quoi. Origine, tu vois, était bien mieux, quoi. Je trouvais l'Egypte et tout ça, pourtant je suis pas égyptologue, ni c'est pas ma tasse de thé. C'est moi, c'est vraiment les dieux grecs. Mais j'ai adoré. Les pyramides, les tombeaux, c'était magnifique, magnifique. Après, je veux dire, nous, on n'est pas... Faire un jeu, à mon avis, c'est... Des fois, on critique. Parce qu'on a... Voilà, on se dit... On critique par habitude, mais faire un jeu, c'est... Ça coûte tellement cher, ça coûte tellement d'heures, ça coûte tellement de travail. Et des fois, ça me fait de la peine que certains jeux fonctionnent pas. Ou que tu te dises, ouais, c'est vraiment nul. C'est mauvais, quoi. Parce que tu dis, les gars, ils ont tellement passé d'heures là-dessus... Au final ça cartonne pas, quoi. J'ai dit les pauvres gars, quoi, tout ce temps perdu pour rien. Et puis t'as des jeux comme Assassin, je trouve que c'est, voilà, ils font dans le facile, ils ont déjà des bases et puis c'est du copier-coller et puis ils vivent sur leurs acquis en fait. C'est ce qui me dérange d'Ubisoft en fait, ils vivent un peu sur leurs acquis. C'est comme EA, hein, Electronic Arts, c'est un peu la même lieu avec leur machin, leur lootbox à hors de prix, là, pay to win, c'est bon, quoi. T'as l'impression que t'as acheté un... c'est un jeu mobile, quoi. Mais un jeu mobile, j'ai envie de dire, c'est normal qu'il fasse payer. Tu l'as gratuitement de base. Si t'as envie d'aller un petit peu plus vite, normal que tu mettes un peu de pognon, tu mets juste 10 balles par mois... Ça suffit, c'est normal, tu soutiens quand même le jeu, j'ai envie de dire. Mais quand tu payes un jeu Electronic Arts, ça donne de boule. Si tu fais comme moi, t'aimes bien acheter tout ce qui est collector, parce que j'adore les collectors, tu gaspilles 120, 130 balles, puis que le jeu il vaut peanuts. Tu te fais chier, et puis c'est... Y'a rien, ça fait chier, quoi. Ouais, franchement... Je pense que tu t'es arrêté au meilleur. T'aurais peut-être dû au moins faire la trilogie d'Ezio. Franchement. Ezio, pour moi, c'était le meilleur assassin. Je pense que t'aurais dû au moins dû faire cette... Les trois avec Ezio. Et après, oui, tu peux tout mettre à la poubelle, il n'y en a aucun de valable. Ouais, bon, alors là... alors là, mon ami... Attention, tu parles à un grand fan du Chevalier Noir. Attends, Batman, c'est non seulement c'est un de mes héros préférés parce que c'est le seul héros que tu te dis oh, je pourrais être Batman, n'importe qui pourrait être Batman finalement, avec un petit peu d'entraînement, bon, beaucoup d'entraînement, mais tu pourrais. Mais là, tu t'attends, ouais, Chevalier Noir, c'est pour moi c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et les jeux, la trilogie, hein, parce qu'ils ont fait l'origine, je sais pas quoi. Non, il faut arrêter de vouloir faire de l'argent et de copier une licence qui marche à fond, quoi. Mais la trilogie là de Rockstar, Rocksteady là, aïe. Maman, donne-moi encore. J'en veux encore et encore. J'avançais pas le jeu pour pas le finir, pour te dire. Parce que moi, jouer chez Batman, c'était, voilà, c'est énorme. Donc, je voulais pas avancer trop. Là, c'est un des seuls jeux, peut-être que oui, alors, j'allais partout, tout contrôler, tout visiter, tout chercher, parce que je voulais pas que ça s'arrête, en fait. Non, là, c'est, tu parles un grand convaincu. Série Batman, au top. Parce que pour moi, Batman, non seulement, est dessin animé, tout ça, mais,
Dans ma vie personnelle, la mentalité Batman a été très importante pour moi. C'est... Non, ça, j'ai essayé un peu. Non, j'adhère pas. J'ai pas aimé. Si tu parles vraiment ouais, du jeu là où tu peux créer ton héros d'ici, machin, non, ça, oh, ça m'a pas. Pas du tout. Alors. J'ai pas trop aimé quoi. Et il se passe rien du tout. Ok. J'ai pas trop aimé ça. Après. J'aimerais bien qu'il me refasse un Batman, quoi. Je pense qu'il y a encore moyen de faire quelque chose, hein. L'univers Batman est tellement vaste et riche que tu peux encore faire, même sans le Joker, hein. Parce que là, techniquement, entre guillemets, ils ont tué le Joker, mais ils peuvent très bien faire le revenir, hein. À mon avis, tu dis que... Y'a quoi là? Rien du tout. C'est un peu chiant ce monde, hein, sérieux. Hâte de partir d'ici, quoi. Et moi, ils peuvent me vendre des jeux Batman toutes les années et j'achète, hein. Après, voilà. C'est comme tout, il faut pas non plus abuser, sinon après, ça devient mauvais, quoi. Mais j'ai adoré. Voler, là, tu. Enfin, voler, tu. Ah bah voilà. Planer avec ton Batman, tu fonces, tu descends, tu vas... Magnifique. Ouais mais j'avais essayé, je crois, en plus sur PS3, ouais. J'avais essayé. C'était du free-to-play, si je me trompe pas, et j'avais essayé. Mais j'avais fait une sorte de... J'avais créé une sorte de Batman, hein, forcément. J'avais pris le skill Batman, je crois, c'était ça. Mais... J'ai pas trop aimé quoi. Ouais voilà, c'est voilà. J'avais pas trop kiffé. Après les goûts et les couleurs. Hein. J'ai encore pas trouvé cette satanée carte, hein. Y'en a pas ou quoi. Au moins, parce qu'en free-to-play, il n'y a pas grand-chose qui m'a... Le seul free-to-play que j'avais bien aimé, c'est le Seigneur des Anneaux Online. Ça, j'avais joué pas mal de temps, ça. Après, malheureusement, dans ces jeux, bah, c'est... bah, tu me... PS3, je crois que j'en ai eu 3. J'ai acheté la première, la PS3, la FAT Day One. J'avais fait le malade. La première que j'ai eue, hein, je suis allé l'acheter en magasin, j'ai dû la ramener parce qu'elle lisait pas les jeux. Elle lisait pas le jeu. Après, j'ai racheté, ils m'ont donné une autre, forcément. Donc c'était déjà la deuxième. Elle a cramé aussi au bout de quelques temps, enfin 2 ans, je crois. Puis après, j'ai pris une Slim. Et la Slim, elle est toujours dans mon salon, j'utilise pour Netflix. C'est mon lecteur Blu-ray, alors tu vois. Je suis en train de l'amortir. Celle-là, elle est amortie. La Play 3 Slim. Elle est amortie à fond. C'est du 100% rentabilité, là. Et je crois qu'ils veulent faire la même chose un peu avec Marvel. Parce que j'ai entendu, hein. Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'ils veulent faire un peu le même bazar avec Marvel. Marvel, j'aime bien, hein. Même si c'est un petit peu plus... Zizi pampan quoi, c'est moins mature, mais après il faut laisser à Marvel ce qui est à Marvel, hein. C'est quand même du bon aussi. Wolverine, c'est après Batman quoi. Wolverine, c'est the personnage aussi quoi. Non, reviens. D'ailleurs, j'adore Wolverine, j'ai encore pas vu le dernier Logan. Je sais même pas, je sais pas pourquoi il m'a pas du tout attiré. Je sais pas si par exemple toi tu l'as vu, mais Logan là, il m'a, je sais pas. Il y a un truc qui, j'ose pas y aller quoi, j'ose pas le voir quoi. J'ai peur d'être déçu quoi.
Aquaman non plus, apparemment une bonne critique, je l'ai pas encore vu non plus. Toi, apparemment c'est assez. Apparemment ça a l'air assez beau. Je suis niveau 30 quoi déjà. Sérieux quoi. C'est là que je vois que j'ai évolué dans les jeux vidéo quoi. Parce qu'à l'époque, je montais pas aussi vite de niveau, je traçais plus les combats. Puis après je me retrouvais contre des boss et puis j'arrivais pas quoi. Ouais, bah écoute, faut que j'essaye alors. J'aimerais bien qu'il me refasse un Batman aussi. Je pensais que Nolan il aurait peut-être fait encore quelque chose après. Il s'est arrêté trop vite. La trilogie était bien, même si je trouve qu'elle manquait un petit peu de panache quand même, un peu plus de baston, un peu plus de Batman en fait. Je trouve qu'il y a un peu trop de Bruce Wayne et pas assez de Batman à mon goût. Bon, moi je suis jamais assez rassasié de Batman. Là, je critique comme vraiment fanboy de Batman, hein. Attention, hein. C'est critiquer pour critiquer, parce que j'ai adoré la trilogie, hein. Surtout avec Joker. Mais ça manquait un peu de Batman, quand même, je trouve. Il y a trop de Bruce Wayne. J'étais pas endormi. Ouais, c'est... À notre âge, pas s'endormir dans un film, c'est que ça va, c'est que c'est pas mal, le film. Parce que moi, maintenant, à l'époque, je pouvais, ça va. Mais là, j'ai quoi, 32. Je suis pas vieux, mais bon. Tu sais très bien, avec les gamins et tout ça, t'es plus vite fatigué. Hein. Là, suivant les films, faut vraiment que ça m'accroche. Si ça m'accroche pas, laisse tomber. Hein. Et il se passe rien, là, ou quoi. Faut bien relou, ce monde. Sérieux. Si on s'endort pas, c'est que le film est pas mal. Là, j'ai commencé à regarder les Titans, là, les Titans, là. Ouais, c'est pas mal. Ça se laisse regarder. Ouais, mais je te dis, c'est ça. On est déjà des vieux cons, quoi. Ouais, des vieux cons modernes, puisqu'on est là en train de geeker comme des cochons, là, sur nos consoles. Donc, on est des... Moi, j'aurais bien voulu avoir un papa comme nous, quoi. Ah, est-ce que ce serait là? Non, mais en fait, j'étais là, puis j'ai même pas été vers ce machin, moi. Ah, je suis mauvais, sérieux, je suis mauvais. Un des films, c'était quoi? C'était quel dernier film? Oh, je sais plus. Tellement c'était mauvais, je m'en rappelle même pas. Au bout de 10 minutes, je dormais, je crois. Ça m'a pas accroché du tout. Ah, c'était une horreur. Ah, enfin, sorti de ce truc, purée. La montagne du Nord. J'adore le Nord, là. Je pense que je vais aller faire des vacances là-bas. C'est vraiment sympa, là. Dans le Grand Nord. Ah, tu m'étonnes. Moi j'ai le grand là, il est génération Beyblade, hein, avec ses toupies. Ouais, mais celle-là elle est plus forte, tu comprends. Moi je suis là, ouais, toupie quoi, tu m'emmerdes avec tes toupies. Ouais, mais celle-là elle est plus forte, tu comprends, elle a plus de force, plus de gravité. Je suis là, ouais, d'accord. Le petit lui c'est Cars, ouais, Cars. Toy Story, c'est pour ça que l'autre jour j'ai joué avec lui, là j'ai fait Toy Story avec lui. Tu vois, baisse l'éclair. Je dis, ouais, baisse l'éclair. Ça, c'est des jeux mais, qui sont cool parce que tu peux encore jouer avec les gamins à côté, c'est pas grave, grave. Y a pas de sang, y a pas. Oui, des combats, mais c'est pas non plus, tu vois. Je pense que tu comprends ce que je veux dire, c'est pas violent au point de. Déjà qu'il y ait pas de sang, c'est déjà important. Parce que des jeux comme Spider-Man, bah ça va, c'est pas horrible, mais il y a du sang, il y a. Ah, peut-être qu'il va jouer mieux que nous, ça. À mon avis, il va jouer mieux que nous. Nous, on est des teubés à côté.
Un an et demi, deux ans, les mecs, ils savent te mettre des vidéos sur YouTube. Déjà là, tu vois le niveau des gars, quoi. Nous, à leur âge, ce que je trouve triste, merde, crédit. Je suis mort ou quoi, non. Je trouve triste parce que moi, j'ai adoré jouer au Playmobil, hein. Enfin, je sais pas toi si t'as eu cette période Playmobil ou Action Man, tous ces machins-là. Mais... Ouais, les Playmobil, j'ai adoré ça, hein. Tu te faisais tes propres histoires, quoi. Tes propres RP, quoi. Pour ça, je dis, moi, les... Tout ce qui est Playmobil, machin, ça t'ouvre tellement l'imaginaire, tellement de... Tu te fais ton monde, c'est ton RP à toi, en fait. C'est ça que j'adorais, c'est ton RP à toi. T'as ton... Finalement, c'était un jeu, hein. J'avais mon chef, le chef, j'avais mon magicien, j'avais mon guerrier, j'avais mon... Tu vois, tout ça. Enfin, je pense qu'on a tous joué à peu près pareil, hein. Ah, Team Lego. Ah, mais j'adore les Lego aussi, hein, laisse tomber. Sauf que, bon, le prix des Lego, je crois qu'on se comprend, hein. Après, les Lego, ouais, c'est top aussi, hein. Ah, je dis pas, hein. Au contraire, hein. Moi, je suis Team Lego et Playmobil, hein, les deux. Hein. Et puis, en plus, si t'as des... T'as la possibilité de te monter, hein, tiens, je sais pas, tu prends un thème Star Wars par exemple, parce que c'est ce qu'il y a de plus maintenant, mais t'arrives à te faire une belle collection, ah, c'est du kiff, hein. Tiens. On est des grands enfants en fait, hein. Eh, ça coûte tellement cher cette merde de Lego. Ah bah, ouais, Batman, bah, laisse tomber. Eh, crotte. C'est chiant cette montagne, hein. Bon, moi je suis un très très grand fan de du Seigneur des Anneaux, et puis Lego, il y a quand même pas mal du truc de Seigneur des Anneaux, là, j'en ai vu, il y en a, ils sont beaux, hein. Bon, moi Star Wars aussi, hein, mais là j'ai vu le machin, oh mais non, à 800 euros là, le Faucon Millennium à 800 euros, je dis ouais, c'est peut-être un peu cher quand même, hein. Ah, ça va arriver, hein. Moi, des fois je joue avec le grand à Smash Bros, là il a pas encore les bons réflexes. Tu gagnes parce que t'as l'expérience et l'intelligence de jeu, mais si on avait le même âge, pff, on aurait poutré mais en deux secondes, quoi. Ma poutrie, ouais, ils sont trop forts. Ouais, tant mieux, hein. Et puis, tant mieux, hein. De toute façon, c'est comme ça, on sera toujours dépassé, hein. Nous, on a dépassé nos parents, et puis on sera dépassé par nos gamins. Puis, j'ai envie de dire, heureusement, moi, ça me fait pas peur, tant mieux. J'espère que mon fils sera mais carrément plus intelligent que moi, hein. C'est clair et net. Ça... C'est tout ce que je lui souhaite, hein. Bon, là, je sens que c'est un truc super technique à faire et ça me saoule déjà. D'accord. Je vais reculer par là. Allez! Non! Ah, les gamins, c'est... sont montés géniquement maintenant. Problème, tu sais, moi, je sais qu'avec mon père, surtout, j'ai l'impression que c'était plus... tu sais, les vieux, ils ont toujours raison, ils sont toujours plus forts que toi. Ah, là, c'est bon. Tu sais, ils veulent toujours avoir raison, nos vieux à nous. Alors peut-être que nous aussi on sera un peu comme ça, mais j'espère un peu moins quand même. Pas avoir peur d'apprendre de tes enfants.
Ouais, bah, Elsa dans la montagne. Toi, tu. Les Ewoks, je connais pas. C'est quoi, c'est ce robot là, bionique là? Non. Je crois que peut-être j'en ai acheté des trucs comme ça. Ça me dit quelque chose, mais c'est ça, non, c'est pas les robots là? Non, c'est les Bionicles, ça n'a rien à voir. Ewoks, ça me dit rien. Wesh, Yax, non, franchement, je sais pas ce que c'est. Ça me dit rien. Après, si je vois une photo, je dis ah bah oui, forcément. Des fois, les noms. C'est comme là, tu vois, je galère, je sais pas où il faut aller. Je suis en train de me faire suivre, sûrement. Je m'enquiquine pour rien du tout. Comme tout le temps dans ces jeux en fait. Tu tournes en rond puis en fait. Mais pourquoi il saute pas? C'est la manette qui commence à être fatiguée ou... Ouais d'accord. Je suis comme en. Ce qu'il faut faire. Moi ça me saoulait cette montagne hein. On a vu là je redescends, c'est pas une bonne idée. Ouais les cases départ, bravo. Très bien. Très malin ça. Des fois, il faut tomber pour mieux se relever. Merci Alfred pour cette leçon. À quoi servent les chutes, monsieur Bruce? Maître Bruce, pardon. Hop là. Et puis là, il n'y a pas un truc pour... Non. Là, je suis pas bon quand même. Ah, là, je suis déjà venu 50 fois. Là. J'ai déjà pas de montagne de base, moi. Voilà, merci. Voilà, ensuite. Je suis de l'autre côté. Ouais. Ah voilà. J'aime bien quand ça avance. Yeah, la bagarre. Si tu parles des petits nounours de Star Wars, oui, c'est Ewoks, ouais. Les petites boules de poils dans le retour du Jedi. C'est les Ewoks, avec Ewok avec un S. Les Ewoks. Ouais, alors, c'est, oui, alors, c'est ça, Ewoks avec un S. Ouais, ils sont mignons. Ah, mon moment préféré c'est Retour du Jedi. Me demande pas pourquoi, mais je trouve que c'est là où Luke est le plus badass. C'est là où tu vois Dark Vador vraiment un des plus beaux combats dans Star Wars. Hein. Parce que tu regardes la guerre des étoiles, le nouvel espoir, le combat entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador. Là c'est d'une du Muppet Show, hein. C'est mauvais, c'est les guignols quoi. C'est deux guignols qui se battent quoi.
Ouais, ouais, les Ewoks, ils sont tellement marrants. Mon gamin, il adore la chanson, justement, à la fin, quand ils font la célébration. Ah, cinématique. Oh non, mon dieu. Allez, je fais silence.
There we go! Moi j'imagine que tu vas surfer là. Oui. Bingo! Ah, un petit scope ça. Ouais, j'aimerais bien, hein. Franchement, honnêtement, je doute beaucoup qu'ils fassent des DLC. Après, c'est tellement devenu la mode, puis bon, que le dernier Kingdom 2, ça fait 13 ans qu'il est sorti. Alors, on peut s'attendre à ce serait peut-être un DLC, mais ça m'étonne beaucoup qu'ils fassent ça. Mais je pense que malgré tout, il y a beaucoup de gens fans de... Mais purée. De la licence qui doivent attendre quand même hein. Marvel, je sais pas, mais ouais, quoi que c'est vrai que ce serait vraiment stylé quoi. Après, faire un monde Star Wars, c'est chaud quoi. Tu utilises quoi comme histoire? Qu'est-ce que tu fais? Tu utilises les derniers Star Wars là, histoire pour promouvoir un peu le futur film ou tu reprends Luke? C'est compliqué hein, de choisir vraiment. Ah, c'est chiant là, c'est pas très maniable tout ça. Bah ouais, mais c'est nul ce truc de luge là. Ouais, super. Je peux pas faire grand chose. C'est un peu nul ce truc de luge en fait. Ah ouais, Star Wars Rebelle, c'est ça que tu parles. Ouais, peut-être. Ouais. Éventuellement, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Star Wars Rebelle, ouais. Ouais, ça, éventuellement, ouais. Ça, j'ai pas trop suivi, donc c'est vrai que... Bon, d'un côté, ça m'arrangerait qu'il fasse ça. Moi, ça m'a... Je pourrais apprendre un peu sur ce monde que je suis pas vraiment suivi, quoi. Hop. Après Marvel, t'imagines. Ah, ils ont le champ libre là, tout ce qu'ils peuvent faire. Avec Thanos. Après, mon avis, je verrais plus un Kingdom Hearts 4. Dans peut-être, allez, 10 ans. Peut-être moins, j'en sais rien, 5 ans, 6 ans, mais je vois plus un Kingdom Hearts 4. Avec, il y aura du Star Wars, du Marvel. Et puis tout ça, quoi. Franchement, je vois plus ça comme ça. J'ai envie de dire, c'est même quasiment écrit que le prochain Kingdom Hearts, c'est du Star Wars et du Marvel. Et puis les futurs Disney qu'il y aura. Ah là là, mais c'est nul, tu peux rien faire, tu peux même pas vraiment bouger. C'est chiant là. Ils croisent leur truc, tu peux rien, c'est nul. Ah, vraiment, c'est pourri quoi ce truc. Ah, c'est vraiment mauvais quoi. Ah, c'est fini, j'espère là. Ok. Ah, merci. Oh non, ça recommence. Bon, une fois fini, tu dis ouais, c'était pas mal. La vie, la vie, la vie. La vie, la vie, la vie. Alors, je peux te dire que c'est vachement galère à manier. Hein. C'est pas du tout maniable. Hein. C'est horrible, la maniabilité de cette luge. Hein. Faut bien qu'il ait des défauts, ce jeu. Oh. Après, je vois plus... S'il devait faire...
une partie d'histoire, enfin un monde Star Wars, je pense qu'il ferait vraiment de Star Wars 7, 8, 9. C'est pour ça que, à mon avis, ce sera dans un Kingdom Hearts 4, avec une histoire résumée de 7, 8 et 9. Ouais, c'est un peu ça, il était une fois le gameplay, avec la chanson en prime. Attention. La vie. C'était tellement ouf cette série à part ça. L'autre jour j'ai regardé, je suis allé sur YouTube, mais je regardais les... Ah c'est mauvais. Les dessins et tout, c'est... Après je critique, c'est espagnol, mais je suis espagnol quand même. Faut que je soutienne une série qui a fait fureur. Tout le monde a regardé, il était une fois la vie, et puis machin, l'histoire aussi, c'était quoi ça? Comment ça s'appelait maintenant? Ah ben, je sais plus, c'était l'histoire, je sais plus, c'était comment avec les histoires? C'était, il était une fois tout court, je crois. Yeah, la bagarre, oula. Ils ont pas beaucoup de vie, mais à mon avis, ils doivent être super chiants à choper. Déjà pour t'approcher. Ah ok. Ouais, c'était une fois tout court et il était une fois la vie. Mais c'était, ouais, c'était une série espagnole, j'ai appris ça. Bon, c'est pas même moi que je le savais, mais quand je l'ai appris, j'étais là, wow. GG pour nous les Espagnols, hein, on a fait un truc de malade. C'était pas mal. Mais c'est instructif, hein, c'est un peu comme c'est pas sorti, ouais, c'est pas sorti avec Jamie et tout ça, t'apprends une chier de trucs, hein. Dire même encore aujourd'hui, tu pourrais montrer c'est pas sorti à tes gamins, ils peuvent apprendre 2-3 trucs sympas, hein. Je trouve qu'aujourd'hui, tu payes une redevance télé pour du caca. Désolé du terme, mais pour du caca. Parce que, y a rien d'instructif à la télé. Tu veux leur montrer quoi? Peppa Pig, là, c'est des... Je sais pas, c'est mauvais, c'est mauvais. Je pense que moi, t'as connu Cartoon Network. Tu regardes Cartoon Network aujourd'hui. Ah, c'est pas le même monde, hein. On n'est pas du tout dans la même optique, hein. Ouais, je me rappelle de Cartoon Network avec les dimanches Pierre à feu. Top 4... Jetson et tout ça quoi. Après plus tard est venu Dexter et toute cette bande là. Johnny Bravo. Ah la belle époque. Maintenant tu regardes Cartoon Network, c'est pas mauvais, c'est très mauvais quoi. Ah oui, ah non merde, j'ai plus de magie. Ah bon, tant pis. Je pense qu'on n'a pas une grande différence d'âge entre les deux, et puis je pense que t'as connu l'époque Cartoon Network. Bon, t'as dû grandir comme tous les jeunes de notre âge avec Dorothée. Qui n'a pas grandi avec Dorothée? Que nos parents ne voulaient pas qu'on regarde parce que soi-disant c'était trop violent. Et puis et on a appris à aimer Seyar et toute sa bande, Dragon Ball. Quand il y avait Candy, c'était le moment d'aller boire, faire le goûter. Parce que Candy, c'est pour les filles. Et toutes ces choses-là. Une avalanche. Ah, la belle époque. Sauf que maintenant, la télé, c'est... De plus en plus mauvais, quoi. Y'a rien. C'est vidéo, y'a rien. C'est mauvais. T'as 3000 chaînes et puis que du caca, quoi. Wow! Look at all the pretty colors. There's blue and green. Ooh, I love green. And look, black. Ouais, tu m'étonnes. Just like my buttons. Là, mon père, il aimait bien Inspector Gadget. Hein.
Je peux dire, des fois, tu le chopais en train de regarder Tom et Jerry. Hein. Le fameux Olaf. J'étais dans ma chambre, tout d'un coup, j'allais au salon, puis il était en train de regarder Tom et Jerry. Puis après, ils appellent, genre, oh, je regarde pas ça. Je regardais Tom et Jerry, quoi. Did you see that snowman? Donc j'imagine qu'on aura la chanson du bonhomme de neige aussi, alors. And here's the funny thing, he was walking and talking. Huh? Everybody knows snowman can't walk. You must have imagined that. Huh, I thought he was real. Well, maybe we'll see him again. Les pattes patrouilles. C'est que c'est tout le temps la même chose en fait. T'as vu un épisode, les 200 après, c'est la même chose. Chevalier du Zodiac, tous les épisodes étaient différents, même si, entre guillemets, tout se répétait. Voilà, il y avait un boss, il fallait battre des mini-boss avant jusqu'à arriver au big boss, et puis voilà, mais c'était quand même un peu différent. Là, les pattes patrouilles. C'est tout la même chose. Et puis, le mien, il aime bien les trucs des avions, là, qui se transforment, là. Je sais plus comment ça s'appelle, là. C'est un peu style Cars, mais avec des avions. Ah bah ça... Ça aussi, hein. Mais bon, c'est leur génération, hein. Pour eux, c'est cool. Alors, y'a pas un coffre qui traîne par là? Je vais voir un truc parce que ça fait un moment que je regarde pas. J'ai 2 points. Super. Il y a des trucs bien. Moi j'aimerais bien ce. Le plan. Ouais, bon, rien de spécial quoi. Je ferais ça. Je resterai hors live. Bon, ça, je m'en fous. Potion. Encore une. Et éther. Donald. Ouais, mais après, il bousille tout aussi, cela. Au moins, trop bobo, il te liquide les trucs, quoi. C'est pour ça que je leur mets jamais rien, à cela. Je leur mets juste des potions, au cas où. Voilà. Ah oui, ils aimaient pas, mais ma mère elle aimait pas, hein. Tout ce qui était Saint Seiya et DBZ, ils disaient que c'était la violence brute. Ouais, oui, mon père aussi, hein, gardait tout ce genre de choses, quoi. Je me rappelle, il regardait les. Il regardait les épisodes Hulk. Le Hulk qui faisait 1m90. Pas le Hulk d'aujourd'hui qui fait 3m. C'était sympa. Il y a même Wonder Woman à l'époque aussi. Ils sont la solidarité. Tourner autour d'elle-même. Supercopter, ça c'était bien ça. Supercopter. Avec le générique, c'était mortel. Wow, you really are alive. What's making you walk? Well, I guess my feet. Hello.
Olaf, are these your friends? Il y avait aussi une autre série avec la moto. C'était comme Supercopter, mais avec une moto. C'était cool aussi. C'était Cobra, je sais plus comment ça s'appelait ça. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Goofy the Green. I'm Anna. And I know they're strangers, but they seem pretty nice to me. I'm Kristoff. And this is Sven. Nice to meet you. So, where are you guys all headed? We're going to try and put an end to this crazy winter. And to do that, we need to find my sister Elsa. Elsa's your sister? What a coincidence. We're going to see her too. You know Elsa? Yeah, we ran into her up the mountain. Do you mind telling us what's going on around here? We're worried. We think your sister might be in some trouble. Trouble? Are you sure? All right. I know we just met, but Sora, was it? I get the feeling that you're someone to trust. Emma, you know? I'm right there with you. I just hope you like long stories. Sure. No. You know, I should go find some moss for Sven. He's looking a little hungry. Come on, Sven. Hey, wait, what's going on? Tell me, is something happening? Come on, Olaf, you're with me. Sure, Sven. Reindeer Sven, too? The reindeer is Sven. Oh, how fun! S'il veut l'arrêter l'hiver, Olaf, il va mourir. Salut. When we were little, my sister and I used to be really close. Ah, tu m'étonnes. 20 ans de moins. Ah, sinon il y avait le classique Maison de la Prairie. Là, je sens que ça va chanter là. Je sais pas pourquoi ça sent la chanson là. Allez. Bingo. Years passed and we barely ever saw each other. Then, finally, it was time for her coronation. Let's just say I was more than a little excited. I thought we'd finally have a chance to talk. But at the party, I did something that made her mad. We got into an argument and I lost my temper. I was just so frustrated. And then, well, that's when she used her magic to push me away. It was all my fault. Ouais, je vais pas tarder non plus. C'est l'heure aussi d'aller faire dodo. En tout cas, merci d'être venu, c'était super sympa. À tout bientôt. Repose-toi bien. Do you want to build a snowman? I shouldn't have upset her the way I did. Allez, à plus, bonne nuit, hein. Because she was frightened. I have to bring her home. I'm sure she knows how much you love her. And I think maybe that's why she looks so sad. It's just like when Riku disappeared. He thought he had to push me away to protect me. Maybe Elsa's the same. If anyone can help her, it's you. Huh? Thanks. Hey guys, I need some help. Huh? What's the problem? This. Hmm.
stick problem? It's not a stick. Well, it is a stick, but it's Olaf's arm. He's fallen apart again. Fallen apart? How come you're not upset? Oh, it's no big deal. He's a snowman. We'll just put him back together. Really? You can do that? I gotta see this. The pieces can't be too far from here. Could you guys help us look for him? Of course. Who knows where he rolled off to? Are these trees made of ice? Maybe. Look at the little... Ah, je pensais qu'il y avait eu ça. Yep, that's Olaf's voice. Why don't we look up above the waterfall? Hey, I'm over this way. That sounds like Olaf. This might be Olaf. Might be. There's only one way to find out. It's quiet, but I can definitely... Ah, c'est stylé, les effets de neige et tout là. C'est pas mal, hein. I can hear you. Ah. I think you're gonna find me. He must be nearby. Okay, getting dizzy. The whole world's doing somersaults. Okay, getting dizzy. Il m'a fait quoi, mon tabou? Okay, I'm ready to be found now. He must be nearby. Voilà. The whole world's doing somersaults. Okay, getting it. Hi, Sora. Hey, Olaf, there you are. I was starting to think nobody'd ever come along and find me. Well, I'm glad we did. Okay. Bon. Viens là, toi. Oh. Think that's all of him? Yep. Anna will know what to do next. Wait, why does everybody look all wobbly? It's not us, Olaf. You're about to tip over. Huh? Oh, no! Yeah, I kind of figured that was wrong. You sure you never slid? Manque une partie, alors. Mais bah, deux secondes, hein. Calme-toi, là. We can't just leave Olaf in pieces. J'ai pas envie de laisser une pisseuse, mais voilà. Calmez-vous. Alors, y'a rien du tout, mais... On y retourne au cas où. Mais on a vu... Ah bah voilà. Question. When did you get so small and tiny? Actually, Olaf, it's more that you're really big now. You're right! What a great view! Hmm,
think we did it wrong. Aw, but I like being tall. Keep looking. I think I got separated from my tummy meat. C'est un peu chiant là, là. Le bon abdomen. Kristoff, don't spoil it for him. Well, snow is supposed to be white. Oh, ça me saoule, hein. Might know where the rest of him is. Alors, allons lui demander. Il est où ton reste? I think I remember. Up above the frozen waterfall. Where did he go? Qu'est-ce qu'il y a? À droite? C'est par là? Non? Ouais, alors, je dois le regarder, non? C'est vrai que tu peux pas construire un autre bonhomme de neige avec de la neige, c'est con, hein? Et à droite de la cascade. Alors c'est là. Ah bah voilà. Yeah! I did it! Sure, something's not missing. Nah, looks right. Wow, I feel so much better. Wait, where's my cute new nose? The one Anna gave me. Sora, do you have his nose? I don't think so. Well, didn't check. Oh. Sven. Someone had to pick it up. You're right, buddy. Thanks for finding it and not actually eating it. Oh, you're welcome. My nose, it's back! Oh, I love having a nose. Hey, Kristoff, how'd all this happen anyway? You know, I'm not sure. These weird animals, well, they were more like monsters. They just crashed into Olaf. I knew it. The Heartless again. Yeah. The Heartless. And I thought the wolves around here were bad. Kristoff, look. Bon, dernière bagarre et après on va devoir arrêter ce live. We know how to handle them. Anna, Kristoff, keep going. Parce que demain il faut se lever, il y a boulot. Tellement classe, je m'en lasserai pas de celle-là. Niveau 30 quoi.
cheaté à donf quoi. Mais bon, c'est beau. Puis c'est le roi lion quand même. Le roi lion c'est la base hein. Les meilleurs Walt Disney à mon avis, avec Aladdin pour moi. Ça s'arrête jamais ce jeu, c'est abusé. T'arrives pas à t'arrêter, ça. Ah, c'est bon. Ah, ok. Alors. Une broche d'humour. Allez, j'adore l'humour. Alors. Bon, maintenant il y a la sauvegarde auto, je pourrais très bien arrêter là. Non. Allez. On va se mettre là-haut, finir sur une pseudo belle vue. Alors, je remercie ceux qui sont venus. Rox Doko qui a participé toute la soirée, merci à lui. Allez sur sa chaîne, il est super cool, il est surtout tous les matins. Vous pouvez le retrouver avec Grand Chase. Il est super sympa, n'hésitez pas à aller. Sinon, à tous ceux qui, vous, Sylvériens et Sylvériennes du futur, qui regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne nuit et à tout bientôt. Merci. Prochain live, probablement mercredi, à 21h, comme aujourd'hui. Allez. Gros bisous et merci pour tout. Ciao, ciao.